Bonjour ou bonsoir à tous. Il y a une définition de la contre-révolution que vous connaissez peut-être, qui est assez connue en tout cas. C'est celle qui définit la contre-révolution non pas comme une révolution en sens contraire, mais comme le contraire de la révolution. Cette définition, assez connue encore une fois, a été rédigé par le comte Joseph de Maistre, né à Chambéry en 1753, mort à Turin en 1821, et à qui nous allons consacrer cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau trois invités. Rémy Soulier, vous êtes docteur ès lettres, vous êtes essayiste, vous avez enseigné dans le passé à l'Université de Toulouse, vous avez écrit quantité d'essais, notamment sur Pierre Boutang, sur Aragon, sur Peggy, sur Maurras, sur Dominique de Roux également. Tout récemment, vous avez publié chez Pierre-Guillaume de Roux, le fils de Dominique de Roux, un très bel essai intitulé « Racination ». Et puis, comme je crois que pour un Rouégat c'est important, je dirais que vous êtes mainteneur du Félibrige. C'est vrai. Et membre de l'Académie de Languedoc. C'est vrai. Alex Tisserand, vous aussi, vous avez écrit sur Pierre Boutang, vous avez d'ailleurs publié un livre qui lui a été entièrement, consacré aux éditions Pardès en 2013. Je crois qu'on peut dire que vous êtes dans la mouvance maurrassienne. Vous avez d'ailleurs écrit à maintes reprises sur Maurras, vous avez édité la correspondance de Maurras et de l'abbé Penon, qui a exercé, comme on le sait, une grande influence sur lui à partir de sa jeunesse. C'est vous qui avez présenté les lettres des Jeux Olympiques de Maurras dans leur plus récente édition. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'une savante étude sur les traités de théologie de Boèce. Et vous écrivez beaucoup. Luc-Olivier Dalgange, poète, écrivain, essayiste, vous êtes essayé un peu à tous les jours et vous aussi. Vous écrivez beaucoup. D'ailleurs, vous avez également écrit sur Pierre Boutang, ce qui est une sorte de point qui vous est commun à tous les trois. Vos écrits sont, je dirais, centrés ou animés par l'idée de tradition dans ses différents prolongements. Vous avez été avec André Murcy, le fondateur de la revue Style. Vous avez écrit sur Boutang, sur Hölderlin, sur René Daumal, sur Ernst Jünger, sur les Hussards et aussi sur Joseph de Maistre. Et tout récemment, en 2017, à l'Harmattan, vous avez publié un livre intitulé « Le déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger ». Alors, comme d'habitude, je vais donner un petit résumé biographique de la vie de Joseph de Maistre pour qu'on situe mieux ce que nous allons dire ensuite sur son œuvre. Alors Joseph de Maistre, d'abord, il n'est pas français de naissance, puisqu'il naît à Chambéry, à un moment où la Savoie ne l'était pas encore, mais dépendait du royaume de Sardaigne. Il est issu, je crois, d'une famille originaire du Languedoc et du comté de Nice. Il est le frère de l'écrivain Xavier de Maistre, un peu oublié aujourd'hui, même si son voyage autour de ma chambre n'a cessé d'être réédité. Il entre dans sa jeunesse dans la magistrature et il devient sénateur en 1788 à l'âge de 35 ans. 88. Et évidemment, l'année suivante, c'est la Révolution française, qu'il accueille dans un premier temps avec une certaine faveur, parce qu'il ne voulait pas faire de procès d'intention, il se reconnaissait un peu dans les écrits de Montesquieu, il espérait que ça évoluerait pas trop mal, etc. Mais très vite, il va déchanter et il va devenir un opposant absolument radical, un peu dans l'esprit d'un auteur qu'il a lu très tôt, Edmund Burke, qui en 1790 publie ses réflexions sur la Révolution de France. Dans la nuit du 21 septembre 1792, les armées révolutionnaires françaises envahissent la Savoie, qui deux mois plus tard va être annexée et transformée en département. Ce sera, je crois, le 84e département français. De Maistre se réfugie d'abord à Turin, puis revient à Chambéry où il assiste à la confiscation de ses biens. Il repart pour Lausanne où il va
resté 4 ans, c'est là qu'il publie ses premiers libelles véritablement contre-révolutionnaires. En 1794, ses lettres d'un royaliste savoisien à ses compatriotes, et surtout 2 ans plus tard, ses célèbres considérations sur la France qui lui vaudront une très grande renommée. En 1799, il rejoint Cagliari, en Sardaigne, où s'est installé le roi Charles-Emmanuel IV, ancien souverain du duché de Savoie, après sa renonciation, son abdication du trône du Piémont. Et en 1892, Joseph de Maistre est nommé ambassadeur plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, où il devient très vite très apprécié à la cour du tsar Alexandre Ier. Il devient le conseiller personnel du tsar et il obtient même que son frère Xavier soit nommé directeur de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, je crois aussi du musée de la marine. Il a aussi des ennemis, bien entendu, en Russie, des gens qui trouvent qu'il fait du prosélytisme, qu'ils font plus ou moins passer pour un agent des jésuites. Mais c'est en tout cas de ce séjour assez décisif que vont sortir les célèbres Soirées de Saint-Pétersbourg, publiées immédiatement après sa mort en 1821. Et c'est là aussi qu'en 1814, il fait paraître son essai sur le principe générateur des constitutions politiques, qui est aussi considéré comme l'un de ses grands livres. En 1817, on arrive déjà à la fin, il est rappelé à Turin. Sur sa route, il passe par Paris où il rencontre le roi Louis XVIII, rencontre assez décevante de part et d'autre. Et il est nommé à Turin président de la chancellerie avec rang de ministre d'État. Et en février 1821, Joseph de Maistre meurt. Alors, pendant ces discussions, on va évidemment rappeler que de Maistre est un peu considéré comme le contre-révolutionnaire le plus conséquent, le plus authentique, la contre-révolution fait homme, même si on le compare parfois à Chateaubriand et surtout à Louis de Bonald, au vicomte Louis de Bonald. D'ailleurs, c'est un peu comme Plique-Plouc. Hein. On cite Joseph de Maistre et Louis de Bonald. À mon avis, à tort, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que de Maistre a une pensée infiniment plus structurée et plus profonde que Bonald, et dans l'histoire des idées, occupe un rang important. Là aussi, comparé un peu à Burke, dont on a dit un mot tout à l'heure, à Friedrich Gentz en Allemagne, à Donoso Cortés, surtout en Espagne. Mais on peut peut-être partir pour cette conversation sur son interprétation de la Révolution, qui est à la fois sans surprise et en même temps très originale. Elle est sans surprise parce que, comme tous les contre-révolutionnaires, évidemment, au nom de la souveraineté du principe de royauté, de droit divin, il en vient très vite à considérer la Révolution comme le mal absolu, comme quelque chose où il n'y a rien à sauver, qui est radicalement mauvais. Cela, ça ne surprend pas. Ce qui surprend plus, c'est son interprétation, disons, métaphysique de la Révolution, car contrairement à beaucoup de contre-révolutionnaires qui s'en tiennent au domaine profane, il y voit véritablement la main de Dieu, c'est-à-dire qu'il interprète, et vous allez me dire si vous êtes d'accord là-dessus, la Révolution française comme un châtiment destiné à sanctionner un pays qui s'est décomposé, qui est en pleine décomposition morale et spirituelle. Et cette interprétation, quand on y regarde bien, est assez intéressante, parce qu'elle nous dit en quelque sorte que ce ne sont pas seulement des individus qui ont réalisé la Révolution, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Et à ce moment-là, les révolutionnaires sont à la fois sujets, c'est eux qui font la révolution, mais en même temps c'est des outils de la volonté divine, et par conséquent, Dieu a utilisé les révolutionnaires pour faire la révolution qui était destinée à sanctionner un pays qui s'était fourvoyé. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, oui. Oui, effectivement, oui, c'est une interprétation de Demestre, d'autant qu'en fait, que Dieu l'a peut-être voulu en plus spécialement en France, parce que la France était la lumière de l'Europe, était celle, la nation la plus influente en Europe, et effectivement, donc le fait que la révolution ait lieu dans ce pays avait une signification particulière aussi.
Absolument. Oui, puis c'est important aussi du point de vue de la méthode, en effet, c'est-à-dire que Joseph de Maistre ne se contente pas de livrer une analyse politique, mais, comme il le dit lui-même, c'est un mot qu'il utilise et qu'il reprend de la philosophie allemande, il mène une analyse métapolitique, et il définit la métapolitique comme la métaphysique de la politique. Et on pourrait même dire la théologie de la politique le concernant, puisqu'il ne sortira jamais de ce que l'on a appelé avec raison l'ordre théologico-politique. Et donc, cette effroyable manifestation du mystère d'iniquité, comme dirait saint Paul, qu'est la Révolution française, il va l'interpréter, on l'a beaucoup dit, c'est une des citations les plus connues de Joseph de Maistre, comme une manifestation démoniaque, satanique en l'occurrence, mais en effet très complexe et très ambiguë, parce que dans le cadre du schéma mental spirituel de Joseph de Maistre, il y voit aussi la main de Dieu, c'est ce qu'il appelle la providence. Vous avez évoqué bien sûr les soirées de Saint-Pétersbourg, et c'est sur le gouvernement temporel de la providence, donc cette notion cardinale autour de laquelle s'articule toute la pensée de Maistre, c'est effectivement la main de Dieu qui est à la fois, pourrait-on dire, une main de rigueur et une main de miséricorde. Mmh. Et la manière dont il va lui-même penser cet événement qui relève pour lui du mystère, au sens le plus théologique du mot, est une manière très, très originale, qui aura ensuite une certaine postérité, mais qui a le mérite de mobiliser l'intégralité de la vision métaphysique et théologique du monde de Joseph de Maistre, parce que c'est la Providence, c'est également le gouvernement temporel de Dieu, mais c'est aussi le mystère du mal, c'est aussi la destinée, c'est aussi la réversibilité des mérites. Toute la pensée de Maistre va commencer à partir de cette illumination, comme il a dit lui-même, qu'a été sa propre perception mystique de la Révolution, et la grande cohérence de sa pensée tourne autour donc de cet axe métapolitique. Alors, c'est peut-être là où il faut faire une petite parenthèse, pour rappeler quelque chose qui peut surprendre, c'est que Joseph de Maistre, par ailleurs, est entré dans la franc-maçonnerie dès 1773, donc très jeune, hein, on connaît son mémoire au duc de Brunswick, à propos notamment de la maçonnerie, et il est resté très actif dans la maçonnerie pendant à peu près 40 ans, se rapprochant notamment du martinisme, puisqu'il était très lié à Louis-Claude de Saint-Martin, Luc-Olivier Dalgange, sur ce point ou sur rapport à la Révolution ? Juste un petit peu sur la Révolution, c'est que là où il se distingue en effet de Bonald et des contre-révolutionnaires, c'est que sous des dehors d'affirmations extrêmement péremptoires, il laisse presque une sorte de suspension de jugement. La révolution contraire serait pour lui simplement une révolution de complément. Alors que le contraire d'une révolution, c'est une formule presque un peu énigmatique, puisque elle nous dit qu'il n'est pas réactionnaire, il ne pense pas qu'il suffirait de revenir quelques crans en arrière sur le cadran du désastre pour sauver quelque chose, et que même la destruction des formes aimées, la destruction diabolique des formes aimées, et porteuse d'une forme d'espérance. C'est-à-dire que là où il y a de la mort, il y a de la résurrection. Et la destruction des formes, sauf peut-être ce dont elles naquirent. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus, effectivement mystérieux. Oui, quelque chose de mystérieux. Parce que la divine providence qui est à l'œuvre, elle est en même temps inscrutable. Donc il consent à cette révolution comme à une nécessité horrible. Qui est cruel pour lui, enfin, qui est cruel pour ce qu'il y a d'humain dans l'homme, en quelque sorte, mais qui est peut-être la préfiguration d'une origine renouvelée, enfin, en quelque sorte, d'un renouvellement. Et c'est dans cette mesure-là où il est très proche, en effet, de Louis-Claude de Saint-Martin, l'homme de désir. Oui, l'importance qu'il attache au théologico-politique, d'ailleurs, explique l'intérêt qu'il portera Carl Schmitt par la suite. Évidemment. Carl Schmitt a été un grand lecteur de Maistre. Hein. Oui, que Cioran, d'ailleurs, mais c'est encore autre chose, beaucoup plus que le courant du nationalisme français, on y reviendra tout à l'heure, mais qui se situe dans une certaine ambiguïté par rapport au courant contre-révolutionnaire, bien entendu. Mais, alors évidemment, le grand adversaire de Joseph de Maistre, c'est Rousseau. Il consacre plusieurs essais à réfuter absolument Jean-Jacques Rousseau.
dont il fait visiblement l'inspirateur principal de la Révolution française, qui à mon avis n'est qu'à moitié vrai, parce qu'il y a tout le courant libéral issu de Condorcet, et dont il parle finalement assez peu, d'autant plus d'ailleurs qu'en économie, Joël de Maistre est plutôt un peu libéral, il est proche des physiocrates, oui. Notamment. Mais bon, mettons cela de côté. Sa critique de Rousseau, c'est qu'aucune société constituée ne peut sortir du contrat social, que l'homme isolé de ses semblables et par définition l'homme abstrait, ça ne correspond à rien. Alors évidemment, ici, on est obligé de lire le célèbre passage dans lequel il déclare ne jamais avoir rencontré d'homme, hein, l'homme du moins. Et Joël de Maistre écrit en effet « J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Alors, bon, cette phrase est très caractéristique, évidemment. On retrouve là un grand thème. Le refus de l'abstraction, les choses concrètes sont toujours relatives, circonstanciées, multiples. Ce qui, d'ailleurs, pose un problème d'articulation par rapport à son engagement théologique absolu, Parce que d'un point de vue strictement chrétien, l'homme tout court, ça existe quand même. Mais ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que ces relations avec Rousseau sont assez ambiguës. Il y a un spécialiste de la pensée de droite ou contre-révolutionnaire qui s'appelle Jean-Yves Prancher, qui disait qu'il y a chez de Maistre une sorte de mélange de répugnance et de fascination, et que finalement, on retrouve des thèmes assez identiques chez l'un et l'autre, même si c'est interprété différemment. L'idée que la nation est une construction historique, l'idée que le patriotisme ne se conçoit pas sans religion, l'idée que l'individu doit se fondre dans la volonté générale. Tout ça sont des thèmes qu'on va trouver chez de Maistre, mais évidemment pris et traités d'une autre, autre façon. Donc il y a une relation très ambiguë avec Rousseau, non ? Oui, parce qu'il est à la fois... Rousseau incarne ce qu'il déteste, c'est-à-dire que c'est l'homme de Genève. Ouais. Et donc, si c'est l'homme de Genève, c'est l'homme du protestantisme, c'est donc l'homme de la rébellion par excellence, c'est donc celui qui va saper ce qui est le plus cher au cœur de Maistre et à son âme, c'est-à-dire les diverses manifestations, mais toujours uniques, de la souveraineté, tant temporel que spirituel, c'est donc un protestantisme généralisé, c'est la désagrégation de la société, c'est l'individualisme, c'est aussi une forme de sentimentalisme, et puis parallèlement, comme vous l'avez rappelé, citant Jean-Yves Prancher, la notion de volonté générale, après tout, c'est une notion que l'on peut interpréter, on sait très bien qu'elle est délicate à interpréter dans la pensée même de Rousseau, mais elle est au moins aussi délicate à interpréter que la pensée de la Providence chez Joseph de Maistre. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, certes, il y a un ordre, enfin, qui mettons, qui en est l'instrument, peut-on le définir, est-il descriptible d'une manière très, très, très claire et très nette? Non, dans les deux cas, il y a un flux, il y a un mouvement. Et donc j'ai le sentiment aussi qu'il y a en effet chez Joseph de Maistre une espèce de fascination, répulsion à l'égard de Rousseau. C'est-à-dire que attaque en règle contre la plupart des thèses de Rousseau et ce qu'il représente foncièrement, c'est-à-dire cette rébellion, et en même temps, Maistre perçoit bien que Rousseau s'inscrit dans un schéma mental qui n'est pas, à certains égards, si loin du sien, formellement. Joseph de Maistre croit également une certaine perfectibilité humaine, ce qui l'apparente à Rousseau aussi, parce que dans son idée, la providence divine a frappé les Français avec la Révolution, mais grâce à ce châtiment, ils vont s'améliorer. Il ne faut pas oublier ça. Jodanès pense quand même que la raison est à l'œuvre dans l'histoire. Oui, c'est une raison qui n'est pas la raison, enfin qui à certains égards la raison classique du XVIIe siècle français, la raison cartésienne et la raison de Malebranche, mais c'est en même temps une raison qui excède la raison classique elle-même, parce que cette raison recoupe aussi la folie de Dieu. C'est pour ça que ce que disait Luc-Olivier Dalgange à propos de cette eschatologie de Maistre est aussi très important. Il attend en effet de la Révolution presque le troisième règne, le règne de l'esprit. C'est Josephus à Floribus, c'est Joachim de Flore également en arrière-plan. Donc
Donc il y aura, Dieu va reprendre la main, en quelque sorte. La raison est à l'œuvre, mais elle est mystérieuse et elle n'est pas planificatrice. C'est-à-dire que la perfectibilité ne peut pas être planifiée. C'est-à-dire qu'il refuse l'idée de... C'est pour ça que ce n'est pas un idéologue, d'ailleurs, Joseph de Maistre, et qu'il est tellement différent de Bonald et des autres contre-révolutionnaires, c'est qu'il n'est pas un idéologue, donc il n'est pas un homme de la planification, ce serait plutôt un homme de la réminiscence, puisqu'il songe à une tradition qui est intime à l'homme et qui naquit avec le genre humain lui-même. Mais cette nostalgie, enfin cette réminiscence, c'est un pressentiment en même temps, parce que toute réminiscence se change en pressentiment. Et alors c'est assez significatif que finalement les soirées de Saint-Pétersbourg se déroulent au bord de la Neva, c'est-à-dire un fleuve. Il y a quand même quelque chose de fluent dans la pensée de Joseph de Maistre. Finalement, le comte, le sénateur et le chevalier qui se disputent et qui s'accordent, on ne sait pas exactement à qui Maistre donne raison et à quel moment. Et ces trois nous impliquent, nous, en tant que lecteurs, comme un quatrième. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de dialoguer tantôt avec le comte, le sénateur et le chevalier, d'approuver l'un, de désapprouver l'autre. Et il laisse cette part au lecteur, ce qui fait qu'il y a quelque chose disons, esthétiquement, de moderne chez Joseph de Maistre. C'est-à-dire qu'il ne formule pas une doctrine, un dogme, une idéologie, mais il crée un dispositif assez étrange, et avec ces très beaux, ce bel incipit qu'il y a à chaque début de chapitre, qui paraît-il a été écrit par Xavier de Maistre d'ailleurs. C'est lui qui aurait fait les incipits des chapitres. Les entretiens. Voilà, oui, et d'ailleurs, c'est aussi la grandeur de Joseph de Maistre d'être un héritier du meilleur XVIIIe siècle, y compris dans l'esprit et dans l'écriture, pour détourner les armes de l'ironie, de l'humour. On le dit peu, mais il y a des passages de Maistre qui sont très drôles. Enfin, c'est très drôle. Il y a une... Parfois, enfin, quand il dit « si je savais une vérité... » propre à choquer toute l'humanité, oui. Je la lui dirais à brûle-pourpoint. Absolument. Évidemment, il y a une... Et on comprend pourquoi Baudelaire, d'ailleurs, pourquoi les soirées de Saint-Pétersbourg était le livre de le chevet de Baudelaire. Et, bien sûr. J'aimerais bien qu'on revienne sur le rapport entre la pensée contre-révolutionnaire et le nationalisme français. Dans les considérations sur la France... Joseph de Maistre fait encore de la nation, je dirais, l'horizon ultime de la politique. C'est une affirmation à laquelle aurait certainement souscrit Charles Maurras. Mais en même temps, de Maistre évolue et finalement n'a pas du tout l'impression qu'il souscrit au nationalisme, au contraire. Il parle du caractère national, de l'âme nationale, mais pas du tout dans le sens du Volksgeist des romantiques allemands, par exemple. Il déteste le gallicanisme. Du pape. Et finalement, plus il avance vers la fin, plus il prend de distance vis-à-vis à la fois du traditionnalisme, du nationalisme. Il s'inquiète de l'impérialisme des nations. Bon, on a l'impression qu'en dépit du caractère très transhistorique de sa doctrine, il ressent quand même les forces profondes qui remuent l'époque historique à laquelle il se trouve. Et c'est pour ça, mais ça vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, moi je ne vois pas tellement de continuité entre l'école contre-révolutionnaire, en particulier maistrienne, et la pensée nationaliste intégrale, marquée par l'empirisme organisateur de Maurras, même si je vois bien ce qu'il pourrait... Déjà, pensons qu'il y a déjà presque un siècle entre la considération sur la France, par exemple, de Joseph de Maistre et les premiers écrits de Maurras, les premiers écrits politiques de Maurras. Maurras a lu, bon, je parle essentiellement de Maurras comme maître du nationalisme intégral et empirisme organisateur, donc bon. Maurras avait lu très jeune Joseph de Maistre, il avait même reçu à l'âge de 13 ans les soirées de Saint-Pétersbourg comme prix de version grecque. À l'époque, on offrait de beaux ouvrages à 13 ans comme prix de version grecque. Il y revient quelques années plus tard, il écrit à l'abbé Penon que c'est un farceur, Joseph de Maistre est un farceur. Bon, c'est un jugement un peu expéditif d'un adolescent. Et petit à petit, effectivement, Joseph de Maistre, il va chercher chez Joseph de Maistre. En fait, il va y trouver un précurseur de l'empirisme organisateur. Mmh. Précisément à partir des considérations sur la France,
où Joseph de Maistre essaye de démontrer le dilemme arithmétiquement, c'est un terme que Joseph de Maistre emploie, hein, qu'il ne peut pas y avoir de grande république, nation libre, ce sont deux termes antinomiques, et ça se démontre arithmétiquement. Hein, c'est dans Considération sur la France de Joseph de Maistre. Et effectivement, ce qui est intéressant chez Morat, c'est qu'il va chercher chez Joseph de Maistre comme un ancêtre de l'empirisme organisateur, mais ensuite il va essayer de raccorder effectivement à l'école contre-révolutionnaire plus tardive, avec ce qu'il appelle lui ses maîtres plus tardifs que sont Renan, Taine, Comte, Le Play, bien évidemment, disciple de Bonald. voilà. Donc Maistre ne va pas être comme un ancêtre, comme un esprit puissant, Morat se dit lui-même, mais effectivement, il se garde bien de reprendre en lui toute la totalité de la doctrine maistrienne, puisque l'empirisme organisateur Morat le considère précisément comme un compromis laïque. Donc, il ne peut pas reprendre, si vous voulez, il reprend chez Maistre ce qu'il peut y trouver pour conforter ce compromis laïque et l'empirisme organisateur. Alors, je crois que Joseph de Maistre a un problème avec la notion même de nation. Pranchère, dont on a parlé, Jean-Yves Pranchère, dit que sa confrontation à l'idée de nation est source d'embarras et de contradictions. Parce que d'un côté, il est pénétré de la conviction de l'importance de la nation. En même temps, il voit bien que les révolutionnaires auxquels il s'oppose ont utilisé la notion de nation pour lui donner un sens politique, directement politique en tout cas, qu'elle n'avait pas, qu'elle n'est pas avant, puisque la souveraineté de la nation prend la place de la souveraineté du roi. Donc tout ça le plonge dans un abîme de réflexion. Son idée de la nation n'est pas celle des révolutionnaires, ce n'est pas non plus celle des nationalistes. Par ailleurs, Joël de Maistre est pénétré des mérites de la monarchie, mais on ne peut pas dire qu'il veut vraiment rétablir la monarchie, surtout il ne veut pas rétablir l'Ancien Régime, il n'aime pas les empires non plus, il déteste le Saint-Empire romain germanique, il n'aime pas la féodalité médiévale non plus, donc ce qui fait qu'on ne sait pas toujours très très bien vers quoi il s'oriente, et c'est à ce moment-là qu'on débouche sur une autre problématique, qui est le rôle de ce que vous appeliez le théologico-politique, c'est-à-dire est-ce que la contre-révolution, selon Joseph de Maistre, ne débouche pas tout simplement sur la théocratie, hein ? Son dernier livre, publié de son vivant, Du Pape, dont les deux volumes, je crois, sortent en 1819, finalement récuse la doctrine classique, enfin classique récente, de la séparation du spirituel et du temporel pour dire que tout véritable souverain doit reconnaître l'autorité papale comme l'autorité supérieure. Donc là, on est pratiquement dans la théologie. Or, la théologie, c'est déjà le contraire de l'absolutisme, si on considère que l'absolutisme porté à sa pointe la plus extrême aboutit à la fois au nationalisme et au gallicanisme. Donc, ce qui est intéressant, vous avez dit en montrant les ambiguïtés de Joseph de Maistre, que finalement, on pourrait faire une analogie entre Maistre et Morat de ce point de vue-là, c'est que ce sont deux penseurs contemporains de leur époque. Oui, de Maistre ne veut pas un retour en arrière à l'Ancien Régime, le dire très bien les considérations sur la France. Son but, ce n'est pas de restaurer Versailles tel qu'il était le 14 juillet 1789. Et Morat le dit lui aussi, son but n'est pas de restaurer un âge d'or mythique de la monarchie qui aurait été celle de la monarchie avant 1789 non plus. Donc, en ce point de vue-là, on peut dire que ce sont deux penseurs qui sont vraiment contemporains de leur époque. Oui, ça, tout à fait. Pour ce qui est du nationalisme, chez Morat non plus, il n'y a pas une conception de la nation comme. Il critique très fortement le nationalisme allemand de ce point de vue-là, comme Folgeriks, par exemple. Oui, bien sûr, ça, chez Morat, ce n'est pas du tout. D'où le fait qu'il reprenne la célèbre citation que vous avez donnée tout à l'heure sur les. Il y a des Italiens, des Russes, et même des Persans, je le sais grâce à Montesquieu. Morat la reprend cette phrase parce qu'il veut montrer par là, c'est que. Il n'existe pas dans la sphère sociale, cet homme en tant qu'homme, colloque, par exemple, avait défini, et ça ne pose pas tant la question de l'unité humaine, à mon avis, donc ce n'est pas tant en contradiction avec la théologie chrétienne que le fait qu'il n'existe pas d'homme en tant qu'homme comme ça. Ça signifie simplement, c'est que l'homme a besoin, Morat dit en cela que Maistre est aristotélicien, que l'homme n'existe que, enfin, il n'existe que des formes incarnées, hein, que les formes n'existent qu'incarnées, que dans la matière, et qu'effectivement, l'être humain n'existe qu'à travers les formes, les couleurs, dirait Boutan plus tard, qu'il prend dans l'humanité. Donc il n'y a pas là de contradiction avec l'unité de l'espèce humaine. Bien des penseurs, y compris allemands, je pense à Herder. L'appartenance à l'humanité est toujours médiatisée par l'appartenance
ou à une culture, ou à une langue, ou à une nation, ou etc., etc. Mais c'est vrai que Joseph de Maistre, là, c'est l'évolution. On a tendance à sous-estimer l'évolution de quelqu'un qui prétend statuer sur les vérités éternelles et absolues. Oui, hein, il y a quand même une évolution. Vers la fin de sa vie, je ne sais plus dans quel passage, il critique par exemple beaucoup le règne de Louis XIV. Il reprend des critiques assez classiques, d'ailleurs, qui ont été dirigées par le. Il a tendance, même, il y a un passage où il se demande si la dynastie capétienne n'a pas été responsable de la division, de la déchirure de l'unité chrétienne de l'Europe. Enfin, bon, mais c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a un espace quand même d'un siècle entre les deux, mais évidemment, l'historien des idées cherche toujours à établir des filiations, à voir jusqu'où elles vont, jusqu'où elles ne vont pas. La critique de Rousseau, Maurras la reprend à peu près à l'identique. Oui, dans La politique naturelle, sa célèbre préface à Mes idées politiques. Le petit oiseau, le petit. Poussin qui brise sa coquille et qui sait déjà tout, tandis que le petit humain, lui, a tout à apprendre, qui est une belle image poétique. Bon, évidemment. Maistre y aurait souscrit. Mais quels sont les autres aspects de la pensée de Maistre qui vous paraissent importants? Parce qu'on n'a pas parlé son intolérance quand même. Je veux dire, sa théorie de l'inquisition, la théorie du bourreau, les théories du sacrifice et toutes ces choses-là. Oui, mais l'intolérance, vous voyez, les lettres sur l'inquisition espagnole, par exemple, qui aujourd'hui font partie des textes et des considérations de Maistre qui sont à peu près inaudibles, bien entendu, il faut essayer de les comprendre comme il les comprenait lui-même et bien comme sûr. Il a compris lui-même l'inquisition. C'est-à-dire que pour lui, l'inquisition espagnole permet d'éviter des maux encore plus graves, plus brutaux, et que des situations nous dégénèrent en massacres ô combien sanglants. Il dit même, si on avait eu l'équivalent en France, peut-être aurait-on évité les flots de sang de la Révolution, de la Terreur, et des guerres révolutionnaires, et des guerres napoléoniennes. Donc ce qu'il voit, l'intolérance de fait de Joseph de Maistre, est toujours tempéré en quelque sorte par le souci qu'il a d'économiser le sang. On dit qu'il est un penseur du sang. C'est vrai, il est un penseur du sang, mais les flots de sang, la cruauté du sang, cruor, la crue de sang, il la voit, et il la voit dans l'histoire humaine. On parlait tout à l'heure de l'empirisme organisateur ou de la physique expérimentale de Joseph de Maistre. Lorsqu'il regarde l'histoire, il voit les flots de sang, il voit les massacres. Et ce qui l'intéresse, lui, enfin ce à quoi il aspire, c'est précisément de limiter les flots de sang. C'est pourquoi d'ailleurs un Pierre Boutan dont nous avons parlé, ou un Georges Steiner, insiste sur la tendresse de Joseph de Maistre, tendre Joseph de Maistre. Oui, il y a une tendresse de Joseph de Maistre que l'on peut, qui se donne à lire dans sa correspondance en particulier, mais aussi dans sa vie. Maistre n'a jamais été un homme qui a manifesté une violence en dehors des mots, bien sûr, de la violence verbale, mais c'était plutôt un doux, c'était plutôt un tendre, et je crois que cette tendresse de Joseph de Maistre est importante. Et puis, juste pour revenir, si vous le permettez, sur la nation, ce qui est une question cruciale là encore, bien sûr, il y a la formule de Maistre à propos de ce qu'il appelle l'âme générale de chaque nation. Chaque nation a une âme générale, et il dit même que chaque nation a un ange qui est prédisposé à sa garde, comme pour tous les individus. Et puis, il parle également des dogmes nationaux. Donc, je crois que si on veut comprendre, même en s'éloignant un peu des considérations formelles du type de régime politique, il faut s'attarder sur cette notion d'âme générale et de dogmes nationaux qui constituent une nation depuis son origine. C'est ce à quoi Maistre tient, c'est ce qu'il veut préserver, ces dogmes nationaux, cette âme générale des nations, quelles qu'elles soient. Et lorsqu'il regarde le globe, lorsqu'il regarde l'Europe, lui, regardez, la Providence a bien disposé les choses. On voit bien comment la péninsule ibérique était faite pour accueillir le pays d'Espagne. Voyez l'extrême pointe de l'Europe, comme la Providence a bien disposé les choses et a bien fait pour accueillir le royaume de France. Enfin, c'est cette vue en plongée, en quelque sorte, que Maistre développe, et qui est très belle d'ailleurs, qui est très poétique. Parce qu'il y a une poésie de Joseph de Maistre. Oui. Ah oui, mais c'est le même type de raisonnement que de dire que les melons ont été conçus par la présidence, conçus en tranche pour être mangés en famille. Oui, ou que nous avons un nez pour pouvoir poser nos lunettes. Voilà, oui, ça, c'est la grande question de la finalité et de la téléologie. On n'en finirait pas. Il est exact qu'il y a une tendresse de Maistre, qu'il n'est pas un violent, qu'il n'aime pas le déferlement des flots de sang. Je crois qu'il dit, je ne sais plus quelle formule exacte, l'histoire, finalement, c'est l'atelier du boucher, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des passages intéressants où il fait contraster
les guerres anciennes qui étaient mesurées, absolument, et qui étaient en ordre, hein, avec les guerres modernes qu'il voit sorties de l'idée de nation révolutionnaire, c'est-à-dire de nation en armes. Hein. Les guerres infiniment destructrices et enfin, qui de surcroît se doublent d'une interprétation morale, puisque l'ennemi devient la figure du mal. Carl Schmitt aurait parfaitement souscrit, évidemment, à ce point de vue-là. En même temps, même si l'on fait la part des choses, il reste toujours quand même une certaine ambiguïté entre les tempéraments plutôt pacifiques, mais qui de l'autre côté pensent qu'avec le mal, il n'y a pas de conciliation possible. Hein. D'un côté, il faut faire la part des circonstances, mais d'un autre côté, il ne faut plus la faire. Alors la théorie sur laquelle c'est pas très grave de verser le sang si ça permet de prévenir un flot de sang beaucoup plus immense, comme généralement c'est rarement démontré, il y a toujours une petite ambiguïté, je ne dis pas ça par malignerie. Ils se rendent compte de ce paradoxe dans Le Bourreau, parce que justement quand il dit que la société rejette le bourreau, enfin qu'on fait un paria social, alors qu'au contraire elle devrait l'honorer, et, parce qu'il est, il est au fondement même de l'ordre social, et donc justement, le fait qu'il empêche des crises, c'est que des faux de sang soient versés. On parle de tendresse, ça me fait penser à un autre terme. Chez Maurras, c'est la pitié, justement, en politique. Ouais. Sa politique qu'il veut, justement, efficace, avec une autorité régalienne qui puisse vraiment agir, eh bien, il le dit lui-même, Maurras, c'est la pitié. Ça, ce qui rejoint peut-être là à nouveau une analogie avec la tendresse de Metz, c'est-à-dire faire une politique qui permet justement d'éviter les massacres, d'éviter les... Bon, Metz avait eu une guerre napoléonienne à son époque, donc il a vu justement ce Napoléon qui était fier de ces centaines de milliers de morts qu'il avait sur... Hein, et Maurras était contemporain de 70, le petit garçon, puis ensuite, bien sûr, du flot de sang de 14-18. C'est-à-dire que pour lui, le bourreau ne se comprend que si l'on admet la providence d'un côté et le péché originel de l'autre. On a pas parlé du péché originel. C'est important, qui joue, c'est vrai. Chez lui, un rôle absolument central. Fondamental. Dont il déclare en même temps que c'est totalement incompréhensible, mais que si incompréhensible que ce soit, si on ne le prend pas en compte, c'est le reste qui devient incompréhensible. Hein. C'est à peu près ça son raisonnement. Non, et c'est le mouvement qu'on reprend Boutant, d'ailleurs, le péché originel, qui explique tout, sans lequel on n'explique rien. C'est ça. Hein. C'est exactement ce... Oui, c'est-à-dire que l'irrationalité de Maistre, puisqu'il y a cet usage chez lui de la raison classique, et en même temps en irrationalisme de fond, pour aller vite, l'irrationalité de l'histoire, l'irrationalité des flots de sang, l'irrationalité de la guerre, l'irrationalité du mal prouve Dieu. Voilà. Donc, il est tellement radical qu'il touche à la fois, à travers cette forme de folie, à la fois Dieu et le diable, simplement. Un auteur que j'aurais aimé avoir sur ce plateau, mais qui n'était pas en France et qui, je crois, en ce moment se trouve en Extrême-Orient, qui est Carolina Armenteros, a écrit qui est une des femmes les plus importantes dans le renouveau actuel des études maistridiennes dans le monde, a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'idée française de l'histoire », paru au Classique Garnier l'an dernier, avec une très belle préface de Philippe Barthelet, et qui est entièrement consacré à l'examen de la postérité de Joseph de Maistre. Armenteros soutient une analyse assez personnelle de l'œuvre de Maistre, qu'elle met extrêmement haut. Elle soutient qu'il n'est ni un ultra ni un réactionnaire, mais à certains égards, une sorte de mystique rationaliste, qui a imaginé un système historique qui fait la transition entre les Lumières et les grands historicismes modernes. Et elle apporte un certain nombre d'éléments qui vont dans cette direction, ce qui nous amène d'ailleurs à dire un mot sur la postérité de Joseph de Maistre et sur les études maistriennes, hein, parce que on s'est toujours intéressé à de Maistre. Il n'est jamais tombé dans l'oubli. Il y a eu quantité de livres sur de Maistre, favorables ou hostiles, comme celui de Robert Triomphe, qui est un énorme pavé et qui définit de Maistre comme un matérialiste mystique. Mais il y avait dans les années 70, à Chambéry précisément, lancé par... il s'appelait... Jean-Louis, le nom me sort de l'esprit. Peu importe, une revue des études maistriennes, hein, qui est apparue à Chambéry, puis Jean-Louis Darcel. Hein, Jean-Louis Darcel, et qui aujourd'hui apparemment ne paraît plus, mais enfin qui a duré.
Vous parliez de son influence de Joseph de Maistre sur Baudelaire. Il faudrait parler de Barbey de Révilly, de Léon Blois. Nerval. Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, ça va jusqu'à Sioran. Hein. Sioran a écrit un essai sur Joseph de Maistre, ou fait une très longue préface sur Joseph de Maistre, qui est assez intéressante. Tolstoï s'est inspiré de Joseph de Maistre. Et Carolina Armenteros, dont je citais le nom tout à l'heure, quand on lit son livre, on s'aperçoit que de Maistre a eu une influence considérable, mais peu connue et inattendue, en tout cas, chez les disciples de Saint-Simon. Dans l'école saint-simonienne, on se référait, et alors elle donne une foule de citations, à Joseph de Maistre. Auguste Comte aussi, auquel on ne pense pas beaucoup, mais a été un grand lecteur de Joseph de Maistre. Il était de toute façon reconnu comme un auteur de premier plan. Absolument. Auguste Comte était en même temps secrétaire de Saint-Simon. Bien que les monarchistes de l'époque de la Révolution le citent assez peu. Il était plus cité à l'étranger. Alors, lors de la fameuse entrevue avec Louis XVIII, Joseph de Maistre lui reproche d'avoir adopté la charte constitutionnelle, ce qui pour lui est une horreur. Et Louis XVIII, je pense qu'il avait beaucoup lu Joseph de Maistre, mais enfin, ce n'était pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un intellectuel, donc ils se sont vus comme ça, il n'en est pas sorti grand-chose. Mais de Maistre a été mortifié. Alors je dis bien qu'il pouvait s'appuyer sur les louanges de Bonald, mais ce n'est pas, pas exactement la même chose. Alors une influence aussi peu connue, c'est sur Yankelevitch. Oui. Yankelevitch s'était mis à lire Joseph de Maistre, il le cite, et il y a un cours dans sa pensée qui peut être interprété comme une variation maistrienne, de même qu'il avait fait une variation sur Fénelon, dans le je ne sais quoi, le presque rien, qui sont des formules qui appartiennent à Fénelon, sur lesquelles Fénelon avait développé. Et il y a quelque chose, justement, contre la pensée de la planification. Comment échapper à une pensée planifiante? Et la lecture de Maistre semble assez sensible, assez fluente aussi dans la pensée de Yankelevitch. Voilà, bon, parmi d'innombrables influences exercées Maistre sur... Peut-être aussi sur le Collège de sociologie. Oui, vous avez tout à fait raison. Sur le Collège de sociologie. Roger Caillois et Georges Bataille ont été des lecteurs de Joseph de Maistre, et en particulier de tout ce qui concerne la question du sacrifice qui les a beaucoup préoccupés. Oui. Vous avez tout à fait raison, on pense peu. C'est amusant d'ailleurs, parce que nous avons eu ici, il n'y a pas très très longtemps, une émission sur René Guénon. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de rapports entre Guénon et de Maistre, bien sûr, mais on aboutissait à cette même conclusion qu'ils ont eu des postérités tout à fait inattendues. Vous avez raison de dire que Caillois, Georges Bataille, Saint-Simon, Tolstoï, etc., ont été des grands lecteurs de Joseph de Maistre, de même que René Guénon, dans les milieux proches du mouvement communiste, du surréalisme, a été lu également par Caillois et Bataille, à une époque où, il faut bien le dire, les préjugés idéologiques ou les catégories d'exclusion ne fonctionnaient sans doute pas, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme on l'a vu il y a, malheureusement, il n'y a pas très longtemps encore avec Charles Maurras. Et en même temps, finalement, on a beau jeter des seaux d'eau de Javel pour récurer tous ces auteurs gênants, une fois que ça s'est dissipé, le soleil brille et ça repousse. Alors, j'en profite pour signaler d'abord que vous venez de faire un nouveau livre, un gros livre sur Maurras. Merci. Que j'ai ici, je pense qu'on le voit bien à l'écran. C'est un livre donc, qui s'appelle « Actualité de Charles Maurras, introduction à une philosophie politique pour notre temps ». Vous aviez également édité les actes d'un colloque Maurras auparavant. Chez un éditeur d'ailleurs. Oui, c'est chez Pierre Tecky. Et
comment dire, autour de Maurras, on voit sans cesse apparaître des nouveautés. L'Erne fait des petites rééditions de temps à autre. Joseph de Maistre a aussi, bon, on ne va pas commenter, ses œuvres complètes ont été éditées, et des extraits ou des morceaux choisis, ou parfois des livres entiers, reparaissent régulièrement. Je sais que dans la petite collection des éditions Mille et une nuits, par exemple, qui doit dépendre de Fayard, on a réédité récemment la doctrine du sacrifice, la critique de Rousseau et toutes ces choses-là. Donc ça reste quand même très accessible. Il n'y a pas besoin d'aller en bibliothèque pour trouver ou lire Joseph de Maistre. Alors voilà, j'espère qu'on a un peu éveillé l'attention de nos téléspectateurs sur un auteur qui fait partie de ces auteurs à la fois célèbres et mal connus, et surtout donner l'envie d'aller le voir de plus près, parce que c'est un homme profond, paradoxal, et même lorsque, même quand on n'est pas d'accord pour prendre des formules de la doxa environnante, on peut en tirer son sel et en faire son fruit. Alors, je disais tout à l'heure, Joseph de Maistre meurt en 1821, que peu de temps avant sa mort, il écrit une autre phrase restée célèbre, « Je meurs avec l'Europe, je suis en bonne compagnie ». Alors, 2019, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mourir avec l'Europe? Peut-être que l'Europe n'en finit pas de mourir et qu'elle est dans une agonie prolongée, mais sans doute aurait-il été, en effet, pour mille raisons, effaré du devenir contemporain de l'Europe, oui. Ouais. Cela nous laisse en bonne compagnie. Merci aux uns et aux autres, merci à chacun d'entre vous, et à bientôt.